assez longtemps, dans le pays romaricain, celui-ci était recouvert de vastes forêts, peuplées d'animaux sauvages. Vous reconnaissez au bas Patachon, ceux qui l'ont connu ? Je crois, hein. Et d'animaux étranges, aujourd'hui disparus, heureusement. Un jour, l'homme mit le pied sur ce petit coin de paradis. L'homme et la femme apparurent, on ne sait sortis d'où. Alors vous voyez les mêmes vues d'un peu plus près. Mais c'est Rome, c'est Rome. Vous reconnaissez le cri de joie de la première femme qui apparut sur ce territoire. Ils vivaient dans les arbres, dans la nature, construisant 50, à l'occasion 50. Quelques cabanes. Ouais. Posséder quand même l'eau courante pour se laver, faire un brin de toilette. Il se nourrissait de produits de la chasse et de la pêche. Puis se multiplièrent et peuplèrent le pays. Le chien aussi. Ils se regroupèrent ensuite en clans. Chaque personne étant nommée le Clantal. Ils avaient pour chef Romaric Ier et la reine Christabelle. C'était comment la changer ? Ils organisèrent le pays, créèrent des villes, des routes, dotant ce pays de règlements et de lois. Le Clantal. Un premier château fut construit. Mais tout ceci attira la convoitise des pays voisins. Alors, des quatre coins de la planète qui est ronde, comme chacun le sait, ils sont venus en nombre. D'abord du nord, puis du sud. Mais je suis beau, moi. Du lointain Orient, le terrible guerrier Shaolin. Faut jamais passer ces photos, en fait. Même de l'Occident, par la voie des mers. Et ils déferlèrent sur le pays romaricain. Quelques isolés tentèrent leur chance aussi. Ouais. Les batailles furent rudes. On fit donner du canon. Et on finit par mettre l'ennemi dehors, après des siècles de batailles. On peut par endroits, dans certaines églises, trouver des statues de ces héros. Le pays fut totalement dévasté. Et le château détruit. Mais cela permit, pour les siècles plus tard, de faire des visites guidées sur les ruines de ces anciens châteaux. Le nouvel empereur Romaros le Grand et la reine Chrys au petit pied entreprirent la reconstruction du pays. On fit un nouveau château, beaucoup plus solide cette fois-ci. Une politique internationale cordiale est menée. Je sais pas. Des alliances sont conclues avec les rois des pays voisins. On réunit des conférences au sommet. La reine tenta d'introduire une nouvelle mode, mais sans succès, car cette tenue était peu pratique pour les tâches domestiques. On développa la culture. Vous voyez, la lecture fait son apparition et donne beaucoup d'envie. Là. Vous voyez ces gens cultivés qui obtiennent des diplômes. Là. Alors après un petit épisode un peu difficile, on arrive à ce qu'on a appelé plus tard les folles années. Alors, années insouciantes où l'on s'amusait beaucoup. Vous voyez, on dansait, on organisait des galas, on dansait toujours, en famille. On organisait des banquets. Puis le progrès fit son apparition avec les nouveaux véhicules. D'abord le 2 roues, puis le 3 roues.
Ensuite, le 4 août. Mais c'est surtout l'arrivée du chemin de fer qui permet le développement du pays. Le malheur frappa à nouveau avec l'arrivée d'étranges envahisseurs venus d'on ne sait où, qui occupèrent le pays et le menèrent d'une main de fer. Le pays connut alors des années noires. Jusqu'au jour où mes amis donnèrent un coup de main. Voilà, ceux qui connaissent Romaric connaissent bien le débarquement. Alors, déjà arrivé par les airs, voici quelques-uns de ces valeureux soldats. D'autres sont arrivés par la mer. Ils entreprirent alors de libérer le pays. Ils finirent par renvoyer les occupants chez eux, faisant de nombreux blessés, mais ce qui ne déplaisait pas aux demoiselles. Ils purent ensuite célébrer la victoire. La paix revenue, on put mener une vie calme et tranquille. Dans toutes les mairies du pays, le portrait du président fut affiché. Pendant que la première dame vaquait à ses occupations. Alors maintenant, nos héros du jour peuvent regarder vers l'avenir. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. Voici deux photos qu'on ne pouvait pas ne pas mettre. On ne savait pas où les mettre, alors j'ai mis la fin. Voilà, et vive les mariés!